l'étoile, ou en tout cas fin qui débloque le trophée l'étoile, qui correspond à quitter Night City avec les Aldelkados. Alors clairement, pour moi, c'est la meilleure fin, c'est la plus sympa. Bien sûr, on va en découvrir d'autres. Alors, comment on obtient cette fin? Alors, ce qui est important, c'est avant de faire l'opération 55N1, qui est la mission finale, il vous faut avoir fait les missions secondaires avec Panheim. Alors, il y en a trois. La première, c'est Rider on the Storm. Après, c'est With a Little Help with, from My Friends. Et enfin, Queen of the Highway. Entre parenthèses, vous pouvez également avoir une romance avec Panam. J'en ai fait une vidéo. Donc, à partir du moment où vous avez fait ces quêtes secondaires, vous avez l'opportunité, lors de Nocturne Opération 55, d'appeler votre ami et ainsi de débloquer un choix particulier qui va vous envoyer vers cette fin. Alors, c'est pas tout. Vous allez avoir une succession d'autres missions, et notamment dans la mission Belly of the Beast, vous allez vous retrouver devant Alt et Johnny, et là aussi vous allez avoir une série de questions qui va vous être posée, qui peut vous diriger vers une autre fin, donc ça aussi je le montrerai. Donc en faisant certains choix, vous pouvez terminer avec la jolie Panam. Donc tout de suite on va regarder les moments clés, notamment quand on est sur le toit, pour demander l'aide de Panam, et ensuite, une fois qu'on est avec Johnny et Alt, pour pouvoir choisir de terminer avec Panam. Tout de suite, on regarde ça. Merci, Misty. T'avais raison. C'est l'endroit parfait. Alors, qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici? Ah, tu sais, je vais devenir une légende dans cette ville. Allez, je te laisse à tes pensées. Prends ton temps. Tu m'as foutu une sacrée trouille, tu sais ça? J'ai bien cru que t'allais y passer. Non, je suis toujours là. Pour l'instant. Tu sais, tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu. Alors tu t'attends au pire? C'est ça? Non, mais quoi que tu décides, ce sera très risqué. Alors si ça tourne pas comme on veut, il faut que tu le fasses, putain. S'il y a des gens à qui tu veux parler, c'est le moment. Les cachets attendront. J'appelle Panam. Panam. Je veux juste entendre sa voix. J'espère sincèrement que c'est juste pour ça. Salut. Panam. Salut. T'as une idée de l'or qu'il est? Je te retiendrai pas longtemps. Je voulais juste entendre ta voix. T'as choisi une drôle d'heure pour ça. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc que je dois faire aujourd'hui. Ça sera risqué, et pas qu'un peu. Mais je dois le faire. Et qu'est-ce que c'est? Je peux pas te le dire, Viacom. Je peux pas. Alors tais-toi et dis-moi juste où t'es. En ville? Ouais. Ok. Alors pose ton cul quelque part et attends-moi, j'arrive. Tu comprends pas. Je peux plus attendre. Ça a un rapport avec le truc dont tu m'as parlé l'autre fois? Ouais. Alors je vais te dire un truc, on peut toujours s'en sortir. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas respirer à fond deux ou trois fois, et tu vas bien réfléchir à tout ça. Et quand ce sera fait, tu pourras me rappeler. Tu sais pourquoi? Parce que je suis là pour toi. Mais... Fin de la discussion. Ouais, bien joué. Elle m'a pas laissé en placer une. C'est mieux comme ça. T'en aurais sûrement trop dit autrement. T'as bien fait d'appeler. J'aurais voulu avoir cette chance aussi. On en a fait du chemin jusqu'ici, hein. Tu te rends compte? Tout a commencé dans une putain de décharge. Ouais, ensuite t'as essayé de me tuer. C'est bien ce que je dis. J'essaye de te sauver la peau maintenant. Ça, tu peux me laisser faire. Ou bien, tenter ta chance avec Panam et ses rats du bitume.
mais t'auras leur mort sur la conscience. Ou t'acceptes le marché d'Arasaka, mais dans ce cas, c'est ton âme que tu vas perdre. Je vais demander à Paname de m'aider. T'en es absolument sûr? Il n'y aura pas de retour possible. Je vais tenter le coup avec Paname. Je sens que tu vas regretter cette décision. Et quand tu t'en rendras compte, je serai pas là pour t'aider. Ça pourrait être ma dernière aventure. Si ça marche pas... Je veux juste être là, savoir ce qui se passe. On se reverra dans Mikoshi. Johnny ? Ok, y a plus que moi. Ouais. Je suis contente de l'entendre. Allez, dis-moi tout. Je dois entrer dans la tour à Arasaka, maintenant. Quoi ? Je plaisante pas, cette histoire avec Johnny, si je fais pas quelque chose rapidement, je suis foutu, mort. Attends, attends. D'abord, pourquoi la tour à Arasaka ? Pour la tech, sous la tour, il y a un point d'accès à... Bon, ça va te paraître dingue. Une prison des âmes. Des âmes. Je savais que ça passerait moyen par rouleau. Ça s'appelle Mikoshi. Y'a que là que je pourrais définitivement me séparer de Johnny. C'est mon dernier espoir. Ok, alors juste pour résumer. Tu m'appelles au beau milieu de la nuit pour que je t'aide à infiltrer la tour Arasaka. Parce que sinon, tu vas mourir. C'est à peu près ça. D'accord. Quoi? D'accord? Où est-ce que t'es là? À la clinique de Vic. Jacques Doc? Ok, je vois où c'est. Tu peux attendre un peu avant de claquer? Ouais, je vais essayer. Ok, tu bouges pas, je viens te chercher. Dire pour avoir le succès, il n'y a pas besoin d'avoir les deux derniers. T'as pas l'air en forme. Je vais y arriver. Le point d'accès est devant toi. Je vais te guider à travers le miroir et je comprends que tu seras passé. Appuie-toi sur moi. Je peux y arriver. Ah, le chat. Peut pas le caresser, dommage. Ah, le chat. Peut pas le caresser, dommage. Sur la Matrix, on se dirait qu'il y a un truc. Ah, là on avait fait notre choix.
Allons-nous-en donc, toi et moi. Lorsque le soir est étendu contre le ciel, comme un patient anesthésié sur une table. Allons par telle rue que je sais, mi-déserte, chuchotant de retraite, pour les nuits sans sommeil, dans les hôtels de passe, et les bistrots à coquilles d'huîtres, jonchés de sueur. Ces rues qui poursuivent, dirait-on, quelques disputes interminables, avec l'insidieux propos de te mener vers une question bouleversante. Oh, ne demande pas laquelle. Allons plutôt faire notre visite. Johnny. Mettre la main sur l'épaule, j'ai réussi, ça a fonctionné, mettre la main après à sortir de ma tête. Ça a marché. Je vais vivre, putain. J'avoue, t'as mis en place un plan qui te défonce. Tu m'as bien pourri la vie, Johnny. Mais je dois reconnaître une chose. Jour après jour, avec toi à mes côtés, j'ai appris à franchir les obstacles. Plus rien peut m'arrêter maintenant. Je le sens. Ah ouais? Vraiment? Ça veut dire que t'as pris ta décision pour nous? Oh là, il est disparu. Je peux parler à Alt avant. Elle est où cette grognasse? T'as pas encore pigé. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Alt nous a déjà séparés. Quand tu t'es connecté à Mikoshi, elle t'a allumé avec le tueur d'âme. On peut dire que ta femme plaisante pas. Je ne suis pas sa copine. Salut, Alt. Alors, il se passe quoi maintenant que la séparation des âmes a été faite? C'est quoi la suite? Je suis en train de vérifier la somme de contrôle et d'éliminer les erreurs de copie de l'engramme au passage. Attends, tu veux dire que je suis devenu un construct? Elle veut dire que t'as pris le même chemin que moi. Prochaine étape, la copie dans le cerveau d'un pauvre pommard. Non mais attends, attends. Je veux savoir ce qui m'est arrivé. Avec tous les détails. J'ai utilisé le tueur d'âme pour séparer vos deux psychés, créant ainsi le construct distinct de vie. Et j'ai ajouté un protocole analgésique pour empêcher toute sensation de douleur. Je n'ai pas réussi à éliminer toutes les modifications apportées par Johnny et l'écrasement des données, mais l'intégrité de l'engramme de V reste élevée. Ce qui veut dire que tu peux retransférer sa psyché dans son cerveau. Un peu comme sur une partition vierge. Vous prévoyez toujours d'anéantir Mikoshi? Ouais, elle doit brûler. Et les prisonniers, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Je vais les libérer et les emmener avec moi. Arrête tes conneries. Tu vas les avaler comme des petits morceaux de code pour qu'ils fassent partie de toi. Comme s'ils pouvaient espérer mieux. Allez, me fais pas rire. Alors ça y est. C'est vraiment fini. T'as tenu parole. Il y a tout de même un aspect que j'ai oublié de prendre en compte. Alt. Quoi? Le corps en tant que facteur clé dans cette opération. La reconfiguration de l'ADN par la relique est trop avancée. Si on ajoute à ça la médication agressive et invasive, le fait que le système immunitaire du corps attaque ses propres neurones... Oh, allez putain, accouche tu veux? Quand j'aurai transféré ton construct dans ton corps, tu mourras. C'est inévitable. Et imminent. Putain! Il te restera environ 6 mois à vivre. Peut-être un peu plus. Non, non, non. Il y a forcément une solution. Un truc auquel on n'a pas pensé. Ton corps te percevra comme un intrus. Non, c'est mon corps! Les nanites de la biopuce l'ont modifié de façon permanente. C'est le corps de Johnny maintenant. Halt! Donne-nous une minute. Il faut que je parle à V.
J'y crois pas. Après tout ce qu'on a fait, tout ça, pour rien. J'en ai plein le cul de ces conneries. De tout, surtout de toi. Parfait, parce qu'on s'en tient au plan. Du coup, je vais je sais pas où avec Alt, et toi tu gardes ton corps. Et où est-ce qu'elle va t'emmener ? Derrière le mur noir, pour faire partie d'elle. Même si je sais pas ce que ça veut dire. C'est comment ? Derrière le mur noir. En espérant que je devienne pas fou. Au moins, personne me fera plus chier là-bas. Pourquoi tu resterais pas sous forme de construct ? Le temps de trouver une autre solution. Trouver une autre solution, ça voudrait dire passer à marcher avec Arasaka, sans moi. Putain. Devenir une ombre floue dans un au-delà numérique. Je préfère encore mourir. Tu serais libéré des limites de ton corps et de toutes les préoccupations triviales de l'espace réel. C'est une nouvelle perspective, surtout. Mais au prix de mes souvenirs. Une nuit à deux. Une bonne gueule de bois. La brise sur mon visage. Ou la chaleur du soleil sur mes épaules. Non, merci. Alors reprends ta vie. Les 6 mois qui te restent. Je pensais pas que ça valait le coup de s'accrocher à la vie. Pas à n'importe quel prix, en tout cas. Et t'avais raison. C'est faux. Tu vois, cette lumière derrière le mur noir, c'est l'espoir. C'est peut-être les flammes de l'enfer. Ou la grâce de Dieu. Ou encore un engramme qui lit du code. Mais c'est une promesse de survie. Nous avons appris à nous transformer en données pures. Mais un animal sommeille toujours en nous. Et son instinct de survie ne disparaît jamais tout à fait. Ouais, c'est cet instinct qui fait de nous des humains. Tout comme le fait de l'ignorer. Y a vraiment pas d'autre solution ? Comme je l'ai dit, Johnny peut garder ton corps, rester ici, pendant que tu viens avec moi. Je pensais plutôt à une fin plus heureuse pour tout le monde. Ici, pour des gens comme nous. Ah, tu t'es trompé de ville et de personne. Mais tu as gagné le droit de décider à force de volonté et de persévérance. Ce pont mène aux profondeurs du cyberespace. En le franchissant, tu couperas définitivement tout lien avec ton corps. Le chemin vers ton corps passe par ce puits mortel. Je t'ai dit que je voulais te donner mon corps. Mais je peux pas. Je suis désolé. Parti en fumée. Et le montant estimé des dégâts dépasse le PIB de plus d'un petit pays. Et paf ! Bien fait, Arasaka. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au pied du mur, hein ? Ne vous en faites pas, brave gens. Novelty et Night City ne sont pas prêtes de changer. Changeront-elles un jour, d'ailleurs ? Nous vivons dans la poussière. Et nous y mourrons tous. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise.
Ce barrage, je m'en souviens bien, au début. Je savais pas quoi penser de toi à l'époque. Et maintenant tu sais? T'arriveras pas à m'arracher une confession larmoyante. Elle aurait rien de larmoyant. Je te connais. Ce que je pense de toi maintenant a pas d'importance. Demain, on sera ailleurs. On recommencera tout à zéro, toi et moi. Repose-moi la question à ce moment-là. J'ai hâte. L'Arizona n'a qu'à bien se tenir. On arrive. Regarde la ville. Quelque part là-bas, ces enfoirés d'Arasaka se demandent comment ils ont fait pour tout perdre. Ils finiront par comprendre un jour. Mais on sera partis depuis longtemps. J'aurais dû faire ça il y a longtemps. Là, j'ai pris du recul. Sur la ville. Sur ma vie là-bas. La cité des rêves. L'abruti qui a trouvé ce surnom méritera un bon coup de pied dans les couilles. Panam, après Mikoshi, tout ça. Je suis content qu'on soit arrivé jusqu'ici, ensemble. Et qu'on parte. Ensemble. Fais tes adieux à cette ville. On la reverra jamais. Je pensais que c'était ma ville avant. On était liés. Elle était à moi, et j'étais à elle. Mais y a plus rien qui me retient là-bas. Pareil pour moi. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? On pensait tous les deux que cette ville nous aiderait à découvrir qui on était vraiment. Ouais. Mais c'est comme un putain de croupier dans un casino de Kabuki. J'ai tout misé, et j'ai tout perdu. Presque tout. Ouais, t'as raison. Ce trou Hara nous aura au moins apporté une chose. Mais c'est bon, on se casse. Enfin. On va miser sur une vie meilleure dans un endroit loin d'ici. Merde, V. Tu saignes encore. On va trouver une solution, Panam. Les médocs de Vic m'aident un peu pour l'instant. Et une fois qu'on aura atteint notre destination, on essaiera tous tes contacts. Ils ont sauvé la mise à pas mal de membres du clan. Ils pourront t'aider, tu verras. Nova, c'est ce que je voulais entendre. En parlant de ça, il en est où le plan? Tout est paré de chez paré. On rejoint le clan, on rassemble l'équipement, et on décolle. Ouais, la route sera sûrement difficile. Mais si on merde pas, on aura passé la frontière en quelques heures. Allez, on se tire d'ici. Ok. Mais, V... N'hésite pas à contempler une dernière fois la ville. Enfin, si t'en as besoin. Je t'attends dans la voiture. Allez, Night City. À la revoyure. J'ai assez écouté ces conneries. Presque tout le clan a déjà traversé. Ils nous attendent de l'autre côté. Et nos souvenirs de Mikoshi? Si on faisait ne serait-ce qu'approcher des grilles avec cette tech, ils nous abattraient sans sommation. On l'a vérifié. Arasaka a des hommes dans tous les postes frontières. Mais on connaît une route moins fréquentée. Je viens de réaliser. Je suis encore en train de voler Arasaka. T'inquiète pas. On va passer juste sous le nez de ces connards.
Y a intérêt, les nouveaux départs sont pas toujours faciles. C'est clair. Y a juste un truc qui va me manquer à Night City. C'est quoi? La bouffe. Le thaï sur la 7ème à Haywood. Les pirogues sur les quais. Sérieusement? Quand t'auras passé un peu de temps sur la route avec nous, tu comprendras. Je réalise que tout ce qui pouvait me manquer, je l'ai déjà avec moi. Ah merde, V. T'es un sacré baratineur. Mais ça marche, non? Allez, dis-le. Dis que ça marche. Oui, ça marche. Beaucoup trop facilement. T'es avec moi, maintenant. On va trouver un moyen de s'occuper de cette saloperie que t'as dans la tête. Je sais. Chez Mémé. Mais les gars, si tu veux pas que cette tempête te rattrape... Va te faire mettre. Mitch, salut. Salut, V. Ça fait plaisir de t'entendre, Tium. Ça va? Donne-moi un mois et je pèterai la forme. Je t'avais bien dit que j'allais m'en tirer, non? T'arrêtes, Mitch. Tu faisais moins le malin après Mikoshi. On s'inquiétait tous. Il est resté alité pendant des semaines. Un vrai légume. Il y serait passé sans ces super synapses impossibles à griller depuis ses séjours en Panzer pendant la guerre. Mais tu nous as sauvé le cul à tous. Dommage que Saul soit pas là. Et Teddy. Et Bobby. Et Scorpion. Ils t'auraient botté le cul après ce coup avec le Panzer. Et après ils t'auraient serré si fort dans leurs bras que t'en aurais gerbé. Je sais, madame. Je sais. Grâce à toi, on peut tous prendre un nouveau départ. Essayons de pas le foirer. Je suis content que tu viennes avec nous, V. On se voit bientôt. J'arrive à sentir l'ozone. Même à travers la clim. C'est la tempête. Elle se rapproche. Ça y est, on est arrivé. C'est pas trop tôt. Salut, Mitch. Salut. Tirons-nous d'ici, ok? Salut, comment ça se passe? Tout est prêt? Ouais, on a presque tout réglé. Alors vous l'avez trouvé? Il était bien là où on pensait? Donc, tout est en place. On est paré? Ouais, c'est bon. Rejoins-nous quand tu seras prêt. On passera tout en revue. Rejoins-nous quand tu seras prêt. On t'expliquera les détails. Vous avez besoin d'aide? Non. Tout est emballé et prêt à partir. En fait, on n'attendait plus que toi. Bon, redites-moi le plan, une dernière fois. On passera pas par les postes frontières officiels. Et j'imagine que tu le sais déjà. Du coup, on prévoit d'emprunter un ancien tunnel de contrebande. Près du mur. Un tunnel? Tu m'as jamais parlé d'un tunnel. T'as jamais demandé? Ça a été galère de le retrouver après toutes ces années. Mais il est toujours là. Plus rien ne peut nous arrêter. Ok, on a le tunnel, mais faut déjà l'atteindre. Et tu fais quoi de la sécurité le long de la frontière? Toute la zone grouille de tech. Les drones patrouillent sans arrêt. Il y a sûrement des véhicules plus lourds aussi. T'inquiète pas. On sait ce qu'ils ont, et on sait comment gérer. Et Carole et Cassidy s'arrangeront pour éloigner les corpos.
Et on risque pas d'attirer l'attention? Les douaniers finiront forcément par remarquer qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais le temps qu'ils comprennent, on sera déjà très très loin. Et cette tempête arrive au bon moment. Elle devrait recouvrir nos traces. Il va falloir bien plus qu'une tempête pour semer les corpos. Ils ont autre chose à foutre. Mais s'ils en avaient envie, ils pourraient toujours essayer de nous attraper. On leur ferait regretter. Super. Et une fois de l'autre côté, c'est quoi le plan? On va au point de rendez-vous pour y rejoindre le reste du clan. Ensuite, on ira vers Tucson. Et là-bas, c'est notre terrain de jeu, c'est ça? On connaît les routes comme notre poche. Et en plus, en Arizona, il y a des gens qui nous doivent des services. Alors même si je voulais, j'aurais aucune raison de m'inquiéter. À partir d'aujourd'hui, t'as plus à tout prendre sur tes épaules. T'es plus tout seul, V. Ça va te changer. Merci. Allez, on se bouge, avant que cette tempête nous rattrape. C'est bon pour nous? Ouais. Alors branche-toi, et on se tire d'ici. Ça marche. C'est ton nouveau départ. Alors tu dois l'entamer en prenant le volant. Comme un vrai nomade. En gros, tu fonces tout droit, t'évites les gros trous, et tu perds pas les autres, ok? Je vais m'occuper de la nitro. Le jus va partir direct dans les cylindres. La synchronise pas manuellement comme il faut, ça risque de tout faire péter. Ouais, on va éviter. Merde, je viens de me rappeler d'un truc. Quoi? Le mur frontalier. Il était pas là quand j'étais petite. J'aurais jamais imaginé qu'il le construirait. J'avais le sentiment que tout était différent au nord. Qu'un avenir radieux m'attendait là-bas. Je crois que je connais la suite. Une fois de l'autre côté, t'as vu que rien n'avait changé? Tu t'es dit que Night City était la réponse, et que tout changerait là-bas. Ouais. Mais tu connais aussi la fin de l'histoire. Je reviens exactement à mon point de départ. Putain. Non. C'est peut-être toujours le même endroit de l'autre côté, le même espace. Mais toi, t'as changé. T'es plus la même. C'est vrai, t'as pas tort. Et puis je tais-toi. Et tous les autres connards. Pas, Paname. Pas tout de suite.
Nova. C'est vraiment parfait, Panam. On rentre chez nous. Salut V. Alors, comment ça se passe dans le désert? Tu fais le plein de soleil et d'air pur? N'oublie pas de faire un contrôle de temps en temps. Si t'as des saletés qui s'incrustent sous ton isolation, t'es foutu. Évidemment, là où t'es, les bons charcutocs sont plus durs à trouver que les hôtels 4 étoiles. Du coup, pourquoi tu passerais pas me voir la prochaine fois que tu seras en ville? Un vieux client comme toi aura bien droit à sa petite ristourne. À une prochaine, V. Salut, V. Je me demandais comment t'allais. Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé. Tu mènes toujours la grande vie à Night City? Perso, j'ai qu'une idée en tête. C'est de tout plaquer et me barrer. Et pourtant, je suis toujours là. Cette ville, c'est comme des sables mouvants. Plus t'essaies d'en sortir, plus tu t'y enfonces. Et une fois dedans jusqu'aux genoux, t'en sors plus jamais. Comme Evelyne. Enfin, fais attention à toi, ok? Et appelle-moi à l'occasion. Salut. V, c'est moi. Écoute, je pense pas pouvoir rentrer au camp ce soir. Une tempête de sable se dirige droit sur nous. On va devoir rester là en attendant qu'elle passe. Pas le choix. Je voulais te dire que... Je sais bien que c'est pas la première fois qu'on avait un truc de prévu, mais... Je pensais pas que ce serait aussi dur d'être chef. Ça m'avait toujours paru facile vu de l'extérieur. Tu sais, j'ai vraiment de la chance de t'avoir vu. Tu peux pas imaginer ce que ça représente pour moi, tout ce que... Faut que j'y aille, on dirait. Je me rattraperai, promis. Salut, Ray. Putain, ce casse qu'on a fait. Tu es encore sur le cul. Une bande de nomades, seuls contre Arasaka. Mais sérieux, on n'avait pratiquement aucune chance. J'étais pas sûr qu'on s'en sorte vivant. Mais bon, on a réussi. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi qui as amené la charge, Ray. Le mec le plus génial et le plus badass de Pacifica aux Appalaches. Je sais pas ce que tu fais en ce moment, ou ce que t'as de prévu. Mais sache qu'on te suivrait jusqu'en enfer si tu nous le demandais, petit. À une prochaine. Prends soin de toi. Ouais, c'est Rogue. J'appelle pour... Ah, messagerie. Bon, ok. V, je me demandais si tu pouvais transmettre un message à Johnny. Deux messages, en fait. Le premier pour lui dire que c'est un connard arrogant et égoïste. Et le deuxième, pour lui dire que ça m'a fait plaisir de lui reparler. Soyez prudents tous les deux, ok? Salut, V. Écoute, je pensais à toi alors, j'ai tiré les cartes rapidement. Je sais, ça marchera pas aussi bien vu que t'es pas là, mais... Comme ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, eh ben, j'ai pensé à toi. Voilà. Tu sais ce que j'ai tiré? Le chariot, les amants et le soleil. Alors on dirait qu'une belle vie t'attend dans les Badlands. Bonne chance, V. Vis ta vie.